Hang Bong, Billy Chin, je dis Billy Boy, mon nom de scène, je suis B-Boy, je viens de Lyon, précisément Samos Debel au Meribel. Je suis parti à l'âge de mes 9 ans, 10 ans sur Marmoz, Lyon 8, et j'ai commencé la danse en 2002. Ça fait 4 mois que je reviens à Lyon et on va essayer de se remettre dedans petit à petit et avec la passion et avec le cœur et la foi et la tête et la motivation comme d'habitude. Ben, j'ai commencé le break à l'âge de 12 ans, quand j'ai emménagé à Mermoz à l'âge de mes 10 ans. En fait, je faisais pas de sport de loisir, en fait, je n'ai jamais fait de foot, de judo ou de karaté. J'ai juste vu mon frère faire du karaté, du judo, et après lui, il s'est mis un peu à la danse aussi. Et par rapport aux fêtes cambodgiennes, je me rappelle les bonnes Khmer, comme on dit, Albert Camus, voilà, c'est Khmer, tu vois, et qu'il y avait souvent des rondes, et qu'un grand de Mermoz, du coup, le cousin Rota, Pokémon qui s'appelle Boone, dédicace à lui, qui me prenait quand j'étais petit, il faisait un cercle, nanana, et je voyais, il faisait du lock, des coupoles, et c'est là que j'ai vu aussi. Mes inspirations, franchement, il y en a beaucoup, parce qu'au final, c'est tous les phaseurs déjà, parce que c'est ça que je voulais faire, et vraiment les Asiatiques, entre guillemets, parce que quand on est petit, on cherche une ressemblance ou un exemple. Comme Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li. Dans la danse, ben, c'était les Rota, les VR6, même les Mathieu Pokémon, Tendu, Asia Crew si les gens connaissent, les Rodolphe surtout aussi, les Halim, tous les grands, même Shad, Michael, Lancelot, il y en a tellement, franchement, toute l'armée des phasers, si j'en oublie, désolé, les Ludo, même les Dimitri, moi je dédicace à tous ces gens-là qui m'ont poussé et qui m'ont donné l'envie et qui m'ont impliqué les bases au maximum et qui m'ont préservé un peu dans ce break-là et m'ont donné des conseils qui m'ont servi et que j'applique maintenant dans ma danse et dans mon break. Qu'est-ce que j'aime dans les power moves? C'est plutôt le dépassement de soi. De trouver des nouvelles directions, des moves que personne n'a pensé, une direction que personne n'a à utiliser, à exploiter. Vraiment pousser le truc, on se dit que le break, il n'y a pas de limite en fait. Il y a tellement de... c'est tout, il y a trop de dérivés, des slides, des clés, des décalés, de l'autre sens. L'événement le plus qui m'a marqué, ben, c'est dans mon ascension, ben, j'avais 16 ans, 2006. Et on faisait le UK B-Boy Championships à Londres. Du coup, le fameux battle UK B-Boy Championships. Et on a gagné du coup avec Pokémon. C'était la première équipe française à l'avoir gagné. C'était que des équipes coréennes, etc. qui gagnaient les Dream Team, les Project Soul, si vous vous rappelez. Et qu'on avait fini contre Drifter à la base. Et on a eu un tie break. Et du coup, il y avait... S'il me semblait, Ibrahim et Lilou et Rodolphe, je crois que c'est eux qui ont fait les trois. Le dernier passage, je me rappelle juste, c'était Lilou Longtain. Et si je me rappelle bien, après... Bref, mais c'était un battle super chaud, en plus sponsorisé par Sony, à l'époque de la PSP, Sony Ericsson, tout ça. Et c'était un truc de ouf, même ce battle, j'avais 16 ans. J'en sais avec les grands frères, les Ibrahim, Rodolphe, Lilou, Riyad... Montsef, Patrick, mon grand frère Titi, dédicace à lui, Zanin, la canette. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Même il y avait Yann qui nous a accompagnés. Et même en fait, c'était vraiment le grand chelem, tu vois ce que je veux dire. C'était à l'âge de 16 ans, je réalisais pas en fait que c'était un bête événement. Même on arrive dans la salle Brixton, tout ça, le public, tout le monde parle anglais. Ok, you guys et tout, je parlais pas anglais et tout. Pourquoi ils nous traitent de gays et tout? Je disais, Rodo, mais non, c'est en gros, wesh les gars, ça fait quoi? Après, j'ai compris, et c'est là que même tu vois une autre culture, des gens différents, une manière de s'entraîner différente, le vrai hip-hop selon le pays de chacun. Et franchement, c'est ça qui m'a marqué. Du coup, si j'aurais un conseil à donner aux B-Boys spécialisés en power move, même en général, même les power moves, vraiment, faites ce que votre cœur vous dit, votre tête qui vous dit, et aussi les fondations, parce que personnellement, moi, j'ai commencé Coupole, Canard, 1916 de la gauche, et j'avais Thomas Vry de l'autre, et Clash. Donc déjà,
Ça, c'est primordial pour vraiment avoir les bases et parce que après vous allez galérer, mais après justement quand vous maîtrisez ça, ben il y a un plus parce que vous pouvez aller dans les deux sens. Mais aussi vraiment essayer de bien comprendre le mouvement, pas aller trop vite, vraiment décortiquer le mouvement, vraiment maîtriser ce que vous faites et pas aller trop vite. Et aussi donnez-vous les moyens, la condition, etc. Et lâchez pas, hein, faites ce que vous aimez et mentez-vous pas à vous-même et faites pas parce que c'est la tendance de faire ça ou ça. Faites ce que vous voulez et mettez votre touche. Essayez de vous sortir du lot en fait. Et puis voilà, après, dédicace. Le Soc Mike, le Cambodge, Cambodian Touch, Mekong Flava, 6-9, Mermoz, 0-1, Méribel, Saint-Maurice-de-Bénaud, le Soasia, Mekong Mekong Saver, toute la famille, la Dream Team. La Dream Team, les Brothers, tout le monde, la famille Lyon, Soulfire, Tekken, Pokémon, Swakemon, Tiebreak, Street Top, tout le monde, la génération 6-9, 6-9 Bouzeub, 6-9 Jung, Boujung, la Douille à Doudouille, 6-9 la Trick, Bang Bang. C'était Billy Boy.